Comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous lire et faire de la poésie. Je vais en profiter pour lire quelques textes de Calvoine, cinq poèmes. Je pense que je trouve intéressant et que je veux partager avec vous. Peut-être vous les connaissez déjà. Et pour les gens qui ne savent pas beaucoup de la littérature haïtienne, ou bien de la poésie haïtienne même, vous allez pouvoir découvrir des textes de poètes extraordinaires dans la littérature haïtienne. L'heure. À l'église du Sacré-Cœur, l'heure. L'heure sonne. Et ma mélancolie se déroule, volute molle au rythme du son. Heure qui sonnait, heure qui fuit, dans la nuit brève, dans la nuit brune. Sonnerez-vous mêmement au jour de mon agonie? Nostalgie. Ça, c'est un texte qui parle de l'Afrique, qui parle de la nostalgie. Surtout de la diaspora africaine. Nous, les Noirs, éparpillés partout dans le monde, comme les Juifs, dans le temps. Nostalgie, tambour. Quand tu résonnes, mon âme hurle vers l'Afrique. Tantôt, je rêve d'une brousse immense baignée de lune, où s'échevèlent des suantes nudités. Tantôt d'une case immonde, où je savoure du sang dans des crânes humains. Non. C'est un texte qui parle des poètes, comme l'Albatros de Baudelaire, mais ce texte, ça a un ton différent. C'est écrit dans un contexte différent. Non. Nous, les extravagants, les bohèmes, les fous. Nous qui aimons les filles, les liqueurs fortes, la nudité mouvante des tables aux cierges phallus, le cornet à nez. Nous, les écorchés de la vie, les poètes. Nous qui aimons tout, tout, l'église, la taverne, l'antique, le moderne, la théosophie, le cubisme. Nous, au cœur puissant, comme des moteurs qui aimons les combats de les soirs et les chiacs, le vrombissement des abeilles dans les matins d'or, la mélancolie sauvage du tam-tam, l'harmonie rauque des klaxons, la nostalgie poignante des bourgeois. Les fous, les poètes, nous, qui écrivons nos vers les plus tendres dans des bouquets et qui lisons l'imitation dans les dancing. Nous, qui n'apportons point la paix, mais le poignard triste de notre plume et l'encre rouge de notre cœur. Vous, les gueux, les immondes, les puants, paysannes qui descendez de nos mondes avec un cross dans le ventre, paysans cailleux aux pieds sillonnés de vermine putain, infirmes qui traînez vos puanteurs lourdes, de mouches, vous tous de la plèbe, debout pour le grand cours de balai. Vous êtes les piliers de l'édifice. Ôtez-vous et tout s'écroule, château de cartes. Alors, vous comprendrez que vous êtes une grande vague qui s'ignore. Ô vague, assemblez-vous, bouillonnez-vous, mugissez, et que votre linceur d'écume et ne subsiste plus rien. Rien que du bien lavé, du bien propre, du blanchi jusqu'au feu. Je vais vous dire, ça c'est un texte que Calvoine, lui, a dédicacé spécialement à Jacques Roumain. Écoutez, compagnons, je vais vous dire des choses. Tout d'abord, versez à boire.
quand j'aurai claqué mes chers copains, ne pleurez pas. N'écrivez point de plaintives élégies. Surtout, ne faites pas de vers in memoriam. Mais que ma tombe vous soit une taverne où l'on chante, où l'on se saoule. Et que le rythme mystique et sensuel d'une meringue me berce de ce moelleux amour qu'est le néant. Je vis de ce verre avec l'espoir que les toasts qu'il me reste à faire ne sont pas nombreux. Calbroad, je vous dis merci. D'ici là, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine séance de lecture du texte de poésie, de roman fascinant et qui me fascine moi-même et qui donne de la force à celui qui le lit et qui fait même de la littérature haïtienne, littérature de force. Merci.